Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, on va parler un petit peu de protection, protection du potager contre le froid, parce que évidemment beaucoup de régions en France vont subir une grande et grosse vague de froid cette semaine. Donc ma vidéo va peut-être arriver un petit peu tard, mais je pense que ça va pas être terminé, il va y en avoir certainement d'autres. Je vais partager avec vous un petit peu ce que nous faisons. Donc c'est très très simple, parce que le plus gros travail que nous faisons, c'est à la plantation des arbres, en choisissant des variétés qui puissent résister à de grands froids. Comme par exemple, je ne choisis pas des variétés qui sont en dessous des moins 10, et si c'est le cas, eh bien ils vont sous serre chauffer à 5 degrés. Et voilà, mais sinon j'essaye de choisir des variétés qui résistent au moins moins 15, moins 18, moins 20, même des fois au-delà. Et le problème, c'est que même si on choisit ce genre de variétés, quand on vient de les planter, eh bien il faut les protéger les premières années parce qu'ils sont jeunes. Et donc ben, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, et on va vous le partager. Allez, on y va, c'est parti! Alors évidemment, la première chose à faire, c'est de pailler le pied, parce que les racines sont plus importantes finalement que le reste, parce que des arbres peuvent quasiment mourir en haut, mais vraiment pas du tout en bas, et repartir de la base, hein. Ça arrive déjà, nous, ça nous est déjà arrivé sur l'olivier, et il y a beaucoup d'arbres et d'arbustes qui font la même chose. Donc c'est important de bien pailler le sol. Il n'y a vraiment pas que les arbres fruitiers ou les arbustes ou tout arbre qui ont besoin aussi de protection. Il y a aussi le potager, certaines choses dans le potager. Donc là, on a par exemple les artichauts. Alors les artichauts, ils ont besoin juste d'être bien bien paillés au pied, hein, comme vous voyez ici. Et normalement, ça suffit pour résister quand même à des températures de moins 10. Après, vous pouvez aussi mettre un tout petit peu de paille sur le dessus pour protéger le cœur. Ça aussi, ça peut se faire, mais bon, normalement, en paillant bien le autour du pied, c'est déjà vraiment super. Ici, par exemple, on a le poivrier Sichuan. Il est très jeune. Eh bien, celui-là, il craint les fortes gelées en étant jeune. Donc, en plus d'avoir paillé, ben, on va y mettre ceci. Alors, ça, c'est une chose qui est faite toute prête, hein. C'est du voile d'hivernage en tunnel qui est vraiment super pratique, et on va vous montrer comment on le met. Thank you.
Alors là, c'est pareil, on a des oignons, et bien on a la possibilité d'avoir aussi des tunnels plastiques. Donc ça, c'est hyper pratique, parce que c'est facile à mettre en place. Et ça tient vraiment bien au niveau du vent, parce qu'il y a des petits trous sur les côtés pour mettre des crochets. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour les petits plants, alors les salades, voilà, les choses comme ça. Alors pourquoi ? Mais parce que quand on met du voile d'hivernage, si on fait toucher le voile d'hivernage les plantes, et que ça pleut et que ça gèle après, bah, ça va certainement geler les feuilles et tout ce qui va toucher le voile d'hivernage. Donc le mieux, c'est si on ne veut pas trop s'embêter pour faire des arceaux, etc. Eh bien, on prend des choses toutes prêtes. Après, ça, c'est un autre budget, mais moi, je trouve que c'est vraiment très, très facile à mettre et je trouve ça vraiment, vraiment top. Alors, un peu de neige. Est-ce que ça va tenir ou pas? On ne sait pas. Alors là, ça tombe. J'espère vraiment que demain, il va faire super beau avec plein de neige. Ça serait trop beau. Alors, l'autre protection naturelle qu'on peut avoir au potager, eh bien, c'est la neige. Quand il y a une petite couche de neige sur le potager, généralement, il n'y a aucun risque que ce qu'il y a dessous gèle parce que ben, c'est une protection thermique vraiment très puissante avec tous ces petits flocons qui s'accumulent et qui forment vraiment une couche assez épaisse et assez dense qui fait que bah, le froid ne passe pas. Et donc c'est vraiment l'idéal quand on a de la neige. C'est un super paillage naturel. Alors évidemment avec la neige, avec le poids de la neige, eh bien on a été un petit peu bête parce qu'on aurait dû l'enlever, ça fait déjà un petit moment ce truc là. Et puis finalement ça a plié, hein, évidemment, ça a même cassé un des tuteurs qu'il y a là. Bon, c'est pas grave, ça a quand même protégé le passin, mais là faut qu'on l'enlève parce que c'est vraiment voilà, pas terrible. Mais bon, c'était temporaire, on doit refaire un truc beaucoup mieux que ça, mais bon, voilà, là ça va être. Le petit exercice du jour, enlever cette armature. Du coup, ben voilà, ça protégeait vraiment bien parce que là, le bassin est pratiquement complètement gelé. Donc, on a laissé la pompe parce que les poissons sont encore dedans. Donc, il faut vraiment qu'on fasse une petite couverture parce que mine de rien, la couverture au-dessus du bassin, ça fait vraiment beaucoup d'effet parce qu'on a eu moins 9 et sans glace. Sans que l'armature soit tombée et ça avait bien protégé. Mais là, voilà, c'est à tout vent, au froid direct et voilà. Donc on sait que maintenant, il va falloir que au beau jour, on fabrique une belle petite toiture à ce bassin. Mercredi 10 février était la journée la plus magique de ce début d'année pour moi. Après 2 ans d'attente, la neige est enfin tombée chez nous et a illuminé notre jardin et les paysages de notre campagne. Je suis tellement heureuse.
La neige me remplit d'une énergie si particulière, vivifiante. Et lorsque le soleil vient lui aussi nous chauffer le visage, c'est vraiment magique. Il y a tellement de beauté dans un paysage enneigé que j'oublie tout, même le froid glacial. La vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. Merci infiniment à tous les nouveaux abonnés sur notre chaîne. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous !